Alors, bonsoir à tous. Voilà, je fais cette vidéo juste pour parler à un petit frère qui doit comprendre beaucoup de choses. Et Nikapon, et cette vidéo, je te la dédie ça parce que je t'aime bien. Je vais te parler en tant que grand frère. Je vais te parler dans le signe de la sagesse. C'est vrai, aujourd'hui, c'est de ton âge. Mais hélas, ne confonds pas les erreurs dans le game. Ceux aujourd'hui qui te follow là, s'ils ne te donnent pas des conseils, pardon, cherche des bonnes personnes qui vont te donner des conseils. Parce que regarde, tu es une belle étoile. Et tu es encore frais. J'ai fait la vidéo pour ce que tu as répondu. La vidéo que tu as fait à l'endroit de la mère d'Arafat, même si la mère d'Arafat a fait des erreurs, petit frère, c'est ta mère. Elle a mis un monument au monde. Peu importe les erreurs de la mère d'Arafat, tu es personne pour la répondre. Petit, tu es encore frère. Ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça le visuel. Mais le spirituel, tu es encore frère. Petit, après cette vidéo, cherche à faire la sympathie de la sagesse pour te excuser. Je sais de quoi il te parle. Ceux qui t'encouragent, ils peuvent te dire que c'est le game, c'est le game. Quand tu vas trébucher, ça serait difficile pour toi de te lever. La vie, quand on avance, c'est le silence qui nous aide. C'est le pardon, c'est la tolérance. Une mère qui a engendré un monument de notre pays, qui n'est plus de ce monde, perd son âme. Peu importe ses erreurs, même si elle incitait ton handicap. C'était le silence seul qu'elle a mené à la raison. Petit, il ne faut pas regarder qu'aujourd'hui tu mousses. Tu vas répondre à la mère d'un intègre du pays qui n'est plus de ce monde. Ceux qui t'ont encouragé, qui sont en train de t'applaudir, ils ont des mères. Dans la vie là, quand tu ne sais pas ce qui te suit là, prie pour quelqu'un qui fait des erreurs, pour qu'enfin la personne puisse se retrouver. Mais on ne répond pas à une personne qui a fait des erreurs. On cherche à prier pour que cette personne à demain ne puisse pas faire des erreurs. Petit, tu es encore bébé. Si aujourd'hui tu mousses, que tu manges des millions, des dollars, il ne faut jamais répondre à une personne qui a le même âge que ta mère, même si elle a fait des erreurs. Ça, c'est une... Regarde, si tu veux être béni, tu veux prospérer dans ta vie, évite de répondre à des personnes qui sont âgées. Évite de répondre à des personnes qui ont le même âge que ta mère. Si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas confondre la vie spirituelle avec la vie visuelle. Le game ne connaît pas le spirituel. Je sais de quoi il te parle. Il y a beaucoup de choses dans ce que nous traversons aujourd'hui que moi je ne suis plus dedans. Je te parle en tant qu'un grand frère, petit frère. Quand tu vas regarder cette vidéo, demande pardon à la maman d'Arafat parce que tu l'as répondu. Tu es trop enfant pour répondre à une mère qui a engendré un monument de notre pays. Peu importe l'erreur de cette mère, même si elle a incité ton handicap, le silence seul pouvait rectifier ses erreurs. Tu es bébé pour répondre à cette dame-là. Nous tous là, c'est notre mère. On connaît son giga. Aujourd'hui, tu mousses. Ceux qui t'encouragent là, petit frère, il faut chercher des gens qui vont te donner des conseils pour que tu puisses avancer dans ta carrière et vivre longtemps. Je sais de quoi il te parle. Cette vidéo était dédiée à Nikapon. Nikapon, tu as commencé un bon mouvement. Il faut éviter de répondre à des grandes personnes qui ont même âge que ta mère. Je sais de quoi il te parle. Je te parle en tant que grand frère, puis je te parle dans le spirituel. Ça, c'est la sagesse qui nous fait. C'est la sagesse qui me permet de te dire ça. Va t'excuser auprès de cette mère-là. Si tu veux avoir longue vie, tu veux vivre longtemps, tu veux avancer. Je m'en bats les couilles de ceux qui vont venir commenter ma vidéo en mal ou en bien. Ceux qui vont commenter en bien, ils ont la crainte de Dieu, ils connaissent le futur. Quand tu connais pour demain, quand tu connais pour aujourd'hui, tu ne connais pas pour demain. Il faut savoir placer tes paroles, il faut savoir respecter les plus aînés. L'éducation nous permet de respecter les gens qui sont plus âgés que nous. Ça, c'est l'éducation et le respect. Et la longévité de vivre. Petit. Une fois. Petit. Deux fois. Petit. Trois fois. S'il y a le pardon, il y a la tolérance.
C'est ce qui peut apaiser notre cœur de vivre longtemps. Faut pas regarder le mouvement, tu as dit c'est le game, tu as sauté, sauté petit, tu es encore bébé. Oh. Faut pas confondre la rapidité avec l'endurance. Oh. Ceux qui sont en train de te follow, qui sont en train de t'encourager, là, quand ça va commencer, ils ne seront pas là. En bon entendeur, bonne soirée. Voilà la réaction de Pancho Legate. Pancho Legate qui recadre littéralement Bébé Nicapol. Et vous voyez, les fans sont divisés par rapport à tout ça. Certains qui disent que, bon, en tout cas, que Bébé Nicapol, il est très mal éduqué pour parler comme ça à Maman Tina Glamour. Et notons que moi, j'avais déjà balancé la vidéo ici, comme quoi je vous ai expliqué un peu la manière dont Tina Glamour s'est comporté. Bébé Nicapol qui lui a répondu et tout. D'autres qui disent que, bon, Tina mérite d'être bien éduquée, même dans sa vieillesse. Hein, je suis la maman de Didier Arafat, une vieille femme qui se permet de se moquer. Bien sûr, de l'handicap d'un enfant de 17 ans. Vous voyez, c'est ce que certains disent. Et les fans sont divisés par rapport à cela. Et vous donnez votre avis en commentaire. On va essayer d'en débattre par rapport à ce sujet. Et vous voyez, Bébé Nicapol, c'est un enfant de 17 ans. C'est ce qui lui donne un peu de crédit. Et l'autre, c'est que, bon, en tout cas, les gens pensent que Tina Glamour est allée très loin en se moquant de l'handicap de ce petit. Pancho Legate a recadré son frère en lui disant que, ah, c'est le game. Mais que de faire beaucoup attention, que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les Pancho Legate, eux, ils sont dans le game il y a très très longtemps. Et ils ont vécu des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je serai très ravi de vous lire en commentaire par rapport à cette histoire. On se dit à tout de suite pour un nouveau flash. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.